Gabriella et Jacques de Monaco, craquant, star du grand pique-nique des monégasques, une complicité évidente entre les jumeaux. À l'instar des enfants de Kate Middleton et du prince William, ceux de la princesse Charlène de Monaco et du prince Albert y leur volent souvent la vedette. Vendredi 31 août, la famille princière de Monaco était présente au traditionnel pique-nique Luc Aventure organisé dans les jardins du parc Princesse Antoinette sur le Rocher. L'occasion pour les jumeaux Gabriella et Jacques, âgés de 3 ans, de revêtir une tenue folklorique traditionnelle. Tout au long du spectacle animé par le groupe La Paladienne, le frère et la sœur sont apparus très complices, bras dessus, bras dessous et échangeant des sourires. Une aubaine pour les photographes qui n'ont pas tardé à immortaliser cet instant de complicité. La soirée a également été ponctuée par une messe célébrée par Monseigneur Barcy, en présence du maire de la principauté Georges Marsan, suivi d'un dîner en grande pompe. D'autres membres de la famille princière étaient présents, Gareth Whitstock et Sam Whitstock, les frères de Charlène de Monaco, Jean-Léonard de Massy et son fils Melchior, mais aussi la baronne Elisabeth Anne de Massy. La complicité entre le prince Jacques et sa sœur Gabriella n'est pas nouvelle. Depuis leur naissance, les deux enfants semblent très soudés. Et ce, pour le plus grand plaisir de leurs parents, nous les découvrons encore plus proches, encore plus complices que nous ne l'imaginions, avait confié Charlène de Monaco au magazine Point de Vue. Ni Albert ni moi ne pouvons nous immiscer dans leur relation. Nos enfants sont très indépendants et prennent toujours leurs décisions ensemble, parfois ils nous disent non, à leur père comme à moi, et Jacques et Gabriella sont forts ensemble, et cela nous devons l'accepter.